La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vin, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Mesdemoiselles, vous écoutez Errance Renaldine du 23 avril 2010. 23 avril 2010. Regardez ici, j'ai un poignet avec une montre qui ne montre rien. Mais moi, si je vous dis, c'est la réalité. Mademoiselle, 23 avril 2010, Errance Renaldine. Bon vidéo. Jacques Duval, lui, qui dit « Bel essai, mais plate », c'est-à-dire « ennuyeux à mort ». Hey, « ennuyeux à mort », ça, là, c'est comme si le mort trouvait ça long d'être dans cette situation-là Hein? C'est comme ça! Non, attends un peu. C'est comme si un mort était ennuyé d'être inactif. C'est comme si le fait de ne plus être vivant amenait une platitude. On le sait pas! On le sait plus! On est perdu! Non! Ah non, on le sait pas! On le sait plus! On n'en a rien à glander! On n'est plus là! Comme Jacques Duval qui nous dit cette remarque. C'est gentil pour Jacques, mais Jacques, bon, on dit, bon, Jacques Duval, mange un char de Jacques Duval. Et puis, c'est vous pouvez aussi envoyer vos critiques, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vous laverai pas sur la place publique. Alors, on n'a pas de lave auto, on n'a pas de lave individu. As-tu des... Non, on n'a plus. On avait des navets, on avait des radis, puis on a beaucoup de patates. Et bon, OK. Alors, il y en a une qui me dit, elle, « Ça fait tellement du bien de réentendre ce charmant accent. » Oh, parce qu'elle l'a déjà entendu. Si elle réentend, c'est qu'elle l'a déjà entendu. Val Collignon. Alors, Val, pour Valérie, sans doute. Mais non, c'est les Vals profondes de l'amour. Oh, Val. Meilleur animateur, le plus créatif, le plus surprenant. Ben là, il faudrait dire, monsieur, attendez, je vais lire le truc là. Meilleur animateur, le plus créatif, le plus surprenant, le moins ennuyant, le plus drôle. Tous les fous sont dans la nature. N'arrête pas de faire de la radio. Hugo Clermont. Alors, Hugo, je te présente Jacques. Jacques, je te présente Hugo. Alors, du côté droite, pesant 250 livres de puissance et d'inertie intellectuelle, Jacques Duval. Oui, bravo! Et ça, c'est sa femme, sans doute. Ou sa petite-fille, parce que sa femme l'a laissé. Et du côté droit, hein, du ring... L'homme qui connaît le mot, qui connaît la radio, qui connaît la singularité des entreprises intellectuelles de l'errance rénaldienne, Hugo Clermont! Alors, ting! Le combat est commencé. Alors, je te le redis, tu peux aller le voir sur Facebook, Hugo. Il s'appelle Jacques Duval. Et le combat est commencé. Alors, atelier d'improvisation. On a du plaisir! On a du plaisir! Oh! Love song. Echo. Love song de ma jungle, de tes mots sans superflu, entre le flux, le reflux. Le sang dans ma jungle. Des mots je n'ai pas assez vus. Et toi, tu les as trop lus. Disons, arrêtons les emmerdes, c'est superflu. Je dis tu dis vous. Vous êtes
tout ce que je tuerai ce soir à Saint-Délon. Non, 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 rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le pire, ni le mal avec vous. Ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Si c'est mal, c'est très bien. Mais si c'est bien entre vous, ça m'est égal. Le hit. C'est le hit. Ça remportera des Césars, des Oscars, des Robert Giffard et des salles de repos. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Peut-on lui ouvrir? Nous allons dans quelques secondes. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'encre, pas dans l'encre, dans l'antre de l'oncle Buck. En passant, c'est une maudite bonne émission. Hey, mais avant ça, là, on peut-tu faire jouer le bonobo? Pas vraiment. Peut-être. Oui, Bonobo, faites-nous jouer le cerveau, puis on revient avec l'encre de le boc. On est tout mêlé, mais on aime ça. OK, le Bonobo augmente la sono et fait cracher le morceau. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.